Bienvenue sur Fréquence Indel en direct de Perrier. Alors ce matin, nous avons une matinée bien chargée avec vos émissions phares et incontournables. Nous commencerons par la météo du week-end. Ensuite, place aux maternelles et leurs différentes rubriques. Le pas bête les bêtes, sur les chouettes hiboux, des champs, un micro-trottoir et votre rendez-vous incontournable. Tous pour un, sport pour tous à 9h30. À 9h45, ne manquez pas le Un sport, une œuvre proposé par la classe de Madame Maillet. Nous retrouverons aussi une machine à remonter le temps sur des événements qui ont eu lieu un 22 mars, des interviews et des nouvelles maîtresses arrivées cette année. À 10h15, vous retrouverez le News Indel. À 10h30, les CM1, CM2 vous feront découvrir une activité sportive dans Va y avoir du sport. À 11h07, nous laisserons la place au CE1, CE2 pour le rendez-vous du petit citoyen. Entre ces rendez-vous incontournables, vous entendrez également les CP qui vous présenteront une scénette. Vous écouterez également les CE1 avec une comptine anglaise et des virelangues. Les CE1 CE2 ne seront pas en reste avec leurs recettes de cuisine. Les CE2 CM1 nous présenteront leurs deux maîtresses. Les CM2 de Perrier reprendront l'antenne pour l'émission « Les chiffres et les notes du jour », un café littéraire sur Harry Potter, l'interview de Monsieur Smag, maire de Perrier. Ils vous feront également découvrir deux endroits bien différents et dépaysants. Enfin, pour finir, nous écouterons l'interview de notre nouvelle directrice. On s'arrête là. Allez, c'est parti et c'est en direct de Perrier. Bonne émission à tous. Alors Leonardo, quelles sont les prévisions météo pour ce week-end ? Eh bien, on va dire que le week-end ne va pas bien commencer. Pourquoi tu dis ça ? Samedi, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques averses. C'est bien dommage. Notre proverbe du jour, c'est en mars que le printemps chante et que les rhumatismes commencent. C'est pour la maîtresse que tu dis ça ? Non, pas du tout. Et pour dimanche, tu prévois quoi ? Le temps sera variable et deviendra nuageux. Pour nos amis de la vallée, que conseilles-tu ? Aucune hésitation, on se couvre et on profite des éclaircies pour se promener et s'aérer. C'est parti pour notre éphéméride. Alors Juliane, que peux-tu nous dire sur ce vendredi 22 mars ? Aujourd'hui, le 22 mars, c'est le 82e jour de l'année. Il reste 284 jours avant la fin de l'année, soit 9 mois et 9 jours. Eh, doucement papillon. Bon, si tu préfères, il reste 28 jours avant les vacances d'avril. Nous souhaitons une bonne fête au Léa et je cite Sénèque. La vie ressemble à un conte, ce qui n'importe, c'est ce n'est pas sa longueur mais sa valeur. J'aime bien ce proverbe, le soleil s'est levé à 7h05 et il se couchera à 19h. Aujourd'hui, le jour durera donc 11h55. Et pour les personnes nées aujourd'hui, elles sont du signe du bélier, premier décan.
J'ajoute qu'hier, pour les amateurs de foot, c'était l'anniversaire de Antoine Griezmann, célèbre joueur de football international français, né le 21 mars 1991. Et pour les amateurs d'Harry Potter, saviez-vous que Nicolas Flamel était décédé un 22 mars 1418 ? Le Nicolas Flamel d'Harry Potter ? Dans la réalité, c'est un écrivain et bourgeois français connu du grand public pour avoir été un alchimiste qui serait parvenu à transformer les métaux en or. Voilà, notre flash météo est terminé. Nous souhaitons un bon week-end à tous nos auditeurs. La prochaine édition du journal aura lieu le vendredi 5 avril à Vendrimard et le vendredi 12 avril à Pont-Saint-Pierre. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bonjour, les petites sections de l'école maternelle de Perrier-sur-Andelle vont vous présenter un animal que vous ne connaissez pas beaucoup, la chouette et ou le hibou. Bonne découverte. Oiseaux. Ce sont des animaux nocturnes qui vivent la nuit. Ce sont des rapaces qui chassent à la nuit et qui mangent les souris. Ils ont deux pattes. Ils ont des serres pour attraper des souris. Ils mettent leurs pattes en avant pour chasser. Ils ont des plumes et des ailes. Ils ont un bec crochu. Et les mamans hiboux ? À pond des œufs. Où est-ce que vivent les chouettes et les hiboux ? Dans les crocs des arbres. Les oisillons, qu'est-ce qu'ils ont sur eux, les petits oisillons ? Ce, c'est du... Du riz. Les chouettes, ils sont des femelles de l'hibou. Alors, comment on sait que c'est un hibou ? Qu'est-ce qu'il a, le hibou ? Là, des plumes sur la tête. On dirait que c'est des oreilles. Mais est-ce que ce sont des oreilles ? Des aigrettes. Que font les chouettes et les hiboux, Anna ? Ululent. Je suis le hibou, l'ami de la chouette. Il n'a pas de couette. Je suis le hibou, l'ami de la chouette, qui n'a pas de couette. Je suis le hibou, je chante le hulule. Quelle est votre activité préférée à l'école, Alice? La peinture. Suzanne? La peinture. Léo? La peinture. Adèle? Pour Lego. Et votre activité préférée à la maison, Alice? La pâte à modeler. Suzanne? La pâte à modeler. Oui. Léo? Jouer aux voitures. D'accord. Tu joues à quoi avec tes voitures? Les gars. Et puis toi, Adèle? Je joue avec mes jouets. Et dis-moi, quels sont tes jouets? Spider-Man et Hulk. Quelle est votre activité préférée à l'école, Issa? Jouer au Lego. Maxence? Faire du travail. Et toi, Aria? Je préfère faire du dessin. Et Juliette, à l'école? Je préfère faire du dessin. Et maintenant, quelle est votre activité préférée à la maison, Issa? Jouer aux poupées LOL avec ma sœur. Maxence? J'aime bien jouer à ma maison. Jouer à quoi? Au Lego. Aria? Je préfère jouer aux Barbie. Ah. Juliette? Je préfère jouer au Playmobil. Quelle est votre activité préférée à la maison, Éloi? J'aime bien jouer au tracteur. Liana? J'aime bien jouer au Lego. Erwan? J'aime bien le poisson à deux et à trois avec un truc qui ouvre et qui avec des cannes à pêche. Elisabeth? J'adore jouer au Lego. À ta maison?
Oui. Oui. Et à l'école, quelle est ton activité préférée? J'aime bien découper. Bien jouer. J'aime bien jouer dans la cabane. Erwan? J'aime bien jouer dans la cabane. J'aime bien jouer au Lego. Alors, nous poursuivons avec les moyennes sections qui nous chantent tout de suite une petite chanson sur le printemps. Encore avec les moyennes sections, bravo pour ce chant. Et il nous parle virelangue. Nous essayons de faire des virelangues avec les moyens. Son chat chante sa chanson. Son chat, il chante sa chanson. Son chat, son chanson. Trois tortues têtues trottent en trottinette. Trois tortues têtues trottent en trottinette. La grosse poule grise glousse. La grosse poule grise glousse. Lily lit le livre dans le lit. Ma mamie mange mon malabar. Ma mamie mange mon malabar. Ma maman part. Panier piano. Six slip chic. Six slip chic. 12 douche douce. La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le jardin. La jolie rose de Josette jaunit dans le jardin. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Trois rats gris dans un trou très creux.
trois rentrer dans un gros trou très creux. La sole rissole dans la casserole. La sole rissole dans sa casserole. La sole rissole dans la casserole. La sole rissole dans la casserole. Alors tout de suite, on va pouvoir retrouver le tous pour un sport pour tous. Mais avant, d'abord, bravo les moyennes sections parce que les virelangues, c'est franchement pas facile. Et puis je vous fais à tous un coucou car je sais que vous êtes venus hier enregistrer en élémentaire, mais que là tout de suite vous êtes en train de nous écouter dans la salle d'activité de la maternelle. Alors je vous fais un grand coucou à tout le monde et maintenant on écoute les moyennes sections qui proposent le tous pour un sport pour tous. Bonjour. Aujourd'hui, chez les moyens de l'école maternelle de Perrier, je voulais interroger Issa. Bonjour Issa. Bonjour. Alors Issa, qu'est-ce que tu fais le samedi? Tu vas où le samedi? À Pitre. D'accord. Alors, tu t'habilles comment? Avec un maillot. Avec un maillot. Tu mets quoi à tes pieds? Des chaussures à crampons. D'accord. Pour faire ton sport, on joue comment? En équipe. Très bien. Qu'est-ce qu'on utilise? Un ballon. Oui. Il est de quelle forme? Un rond. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tirer dans le but. Avec quelle partie du corps? Au pied. Avez-vous deviné le sport que fait Issa? Appelez Nathalie. Merci. Si vous avez trouvé, vous appelez au 06 81 72 78 50. Tout de suite, on poursuit en chanson avec Chapeau Chinois. Dans mon chapeau chinois, 4, 5, 6, il a 3 cerises, 7 et 8, 2, 20, 8, 9 et 10, miam, miam, quatre délices. Un dragon formidable qui se promenait sur ses terres. En soudain, ploc, il tombe par terre. Allô? Ah, allô? Allô? Alors, qui est l'école qui est au téléphone? Alors, attends. On est quelle école, Basile? Vendrimard. L'école de Vendrimard. Bonjour, l'école de Vendrimard. Alors, de quel sport il s'agit? Du foot. Il s'agit du foot. Il me semble que tu as trouvé, que vous avez trouvé tous ensemble. Alors, on va écouter la réponse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Fréquence Andelle. À bientôt, bonne émission. Merci, au revoir. La réponse à notre devinette, tous les moyens de Perrier vont vous la dire. C'est le... foot. Foot. Et maintenant, bravo donc aux élèves de Vendrimard qui avaient trouvé. Et on poursuit en chanson avec le dragon à cinq pattes. On poursuit avec un raconte-moi une histoire et c'est les petites sections qui nous la racontent. Les petites sections de la maternelle de Perrier-sur-Andelle vont vous raconter l'histoire de « C'est pour qui ?» de Michael Escoffier et de Mathieu Maudet. À table ! J'arrive ! C'est pour qui cette bonne soupe ? J'aime pas la soupe. Goûte au moins ! J'ai pas faim. Allez, un petit effort ! Je suis fatiguée. Si tu ne manges pas, c'est le loup qui te mangera. Ça n'existe pas. C'est ce que tu vas voir. Je compte jusqu'à trois. Un,
2, 3. Loup à table. Vous m'en plus. Loup, mange cet enfant. J'aime pas les enfants. Goûte-moi. J'ai pas faim. Allez, un petit effort. Je suis fatiguée. Si tu ne manges pas, c'est Locke qui te mangera. C'est pas possible. Ce que tu vas voir, c'est qu'on dit qu'à 3. 1, 2, 3. Ogre à table. On mange plus. C'est sympa par ici. Ogre, mange ce loup. J'ai pas les loups. Goûte au moins. Pas faim. Allez, un petit effort. Je suis fatiguée. Par contre, je veux bien ma soupe. Hé, hey, c'est ma soupe. Et c'est moi qui la mange. Ah, j'espère que notre petite histoire vous aura bien plu. À bientôt. Moi, elle m'a bien plu, votre petite histoire d'ogre. Bravo les petites sections, c'était très chouette. On poursuit avec la deuxième partie du micro-trottoir des moyennes sections. Qu'est-ce que tu préfères faire à la maison, Marius ? Des jouets, des œufs. Et toi, Swan, qu'est-ce que tu préfères faire à la maison ? Jouer à cache-cache avec papa. Et toi, Maïwan, qu'est-ce que tu préfères faire à la maison ? Jouer avec ma soeur, à touche-touche. Et toi, Léna ? Jouer avec ma soeur, à touche-touche. Et à l'école, qu'est-ce que tu préfères faire, Marius ? Moi, j'ai fait des cadeaux pour maman. Tu préfères faire des cadeaux pour maman à l'école. Et toi, Sohan ? Je veux faire des cadeaux pour maman. Et toi, Maïwan, qu'est-ce que tu préfères faire à l'école ? Faire des activités. Et toi, Léna, qu'est-ce que tu préfères faire à l'école ? Faire la chasse à l'eau. Qu'est-ce que tu préfères faire à l'école, Evan ? Jouer à l'école. Et toi, Mia ? Écrire des lettres. Et toi, Luana ? Et à la maison, Evan ? À papa Touré et à cacasse. Et toi, Mia ? À cacasse avec papa et maman. Et qui trouve les meilleures cachettes ? Papa. Et toi, Luana, qu'est-ce que tu préfères faire à la maison ? Faire un cacasse pour maman. Faire un coloriage pour maman, c'est gentil ça. Quelle est ton activité préférée à l'école, Angeline ? Jouer au Lego. Et toi, Louise, quelle est ton activité préférée à l'école ? J'aime bien jouer au coin livre. Et toi, Gabin ? J'aime bien jouer au Lego. Et à la maison, Angeline, qu'est-ce que tu aimes faire ? Jouer à la pâte à modeler. Et toi, Louise ? Jouer avec maman. À cache-cache. Tu te caches où ? Dans la maison. Gabin, à la maison, qu'est-ce que tu préfères faire ? J'aime bien jouer à la pâte à modeler. Quelle est ton activité préférée à l'école, Thiago ? Les dos. Et toi, Maëlia ? J'aime bien jouer dans la cabane. Et toi, Loane, qu'est-ce que tu préfères faire à l'école ? Au Lego. Et puis, est-ce que tu vous aimais faire du travail aussi ? Oui. Moi, j'aime bien jouer aux escargots. Et toi, Maëlia ? J'aime bien jouer à faire manger les bébés. Quelle est votre activité préférée maintenant à la maison, Thiago ? Au téléphone. Quel jeu au téléphone ? J'étais avec les méchants. Et toi, Maëlia, à la maison, qu'est-ce que tu aimes faire ? Des mécolores. Dire tes couleurs. Et ma maman, elle m'a dit mes couleurs. Autre chose à la maison ? J'ai fait des dessins qu'il y avait Hélène à ma maison. Et toi, Loane, qu'est-ce que tu préfères faire à la maison ? J'aime bien jouer avec mes camions dehors. Je joue bien dehors. J'aime bien jouer dehors. Et nous terminons avec les moyennes sections et encore quelques virelangues. Bravo les maternelles de Perrier.
on essaye de faire des virelangues. Oh. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Carton, carton nous gêne. Carton et nous gêne. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Carton, carton nous gêne. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Carton, carton nous gêne. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 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 Trois tortues sur un trottoir trottaient. Sur un trottoir très étroit. Dido du dindon. 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 Ton tas de riz t'entalera. Ton tas de riz t'entalera. 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 Fruits frais, fruits crus. 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 Fruits crus. Fruits crus. Lili lit le livre dans le lit. 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 Une belle boule bien bleue brille. Une belle boule bien bleue brille. Une belle boule bien brillant. Une belle boule bien bleue brille. Une belle boule bien brille. Une belle boule bien bleue brille. Une belle boule bien bleue brille. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Carton, carton, les corps nous gêne. Écartons ton carton, carton, ta carton nous gêne. Nous gêne. Carton, carton nous gêne. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Carton, carton nous gêne. Écartons ton carton, carton, carton nous gêne. Écartons nous gêne. Retrouvons dès maintenant les chiffres et les notes du jour avec Lucie, Raphaël, Kylie et Léa. 20 sur 20, 0 sur 20, c'est la note du jour. 20 sur 20, 0 sur 20, c'est la note du jour. Bonjour chers auditeurs, commencerons avec les chiffres du jour. 351. Molière ou Jean-Baptiste Poquelin, le nom de notre école, est mort il y a 351 ans. Il est décédé un 17 février, 4500. Les pyramides ont été construites pour les pharaons comme tombeau il y a plus de 4500 ans. L'Égypte a annoncé le projet de restaurer la plus petite des trois célèbres pyramides de Gizeh. 891. Dans la nuit, pendant la Seconde Guerre mondiale, 891 avions de l'armée britannique bombardaient Berlin, la capitale de l'Allemagne. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs usines fabriquant des armes ont été détruites. 5% des écoliers du CE2 au CM2 en France se disent victimes de harcèlement. Pour rappel, le 30-20 est à l'écoute des élèves harcelés à l'école. Ce numéro s'adresse aux enfants et adolescents victimes de harcèlement à l'école, aux proches témoins de ces situations, aux parents et enseignants. 98. Merci pour ce rappel, Lucie. 98 films et 64 séries ont été tournés à Paris en 2023. Cela représente 7400 jours de tournage, 3 milliards. Dans 70 pays, plus de 3 milliards d'électeurs, soit la moitié de l'humanité, devront choisir un nouveau président ou un nouveau parlement. Le quotidien espagnol El País fait le tour des enjeux pour une année qui s'annonce cruciale.
126. 126, c'est le nombre de jours qui nous sépare de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet. 10 500. Aux Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris, il y aura près de 10 500 athlètes originaires de 206 comités nationaux olympiques en lice. Ça va faire du monde. Voilà, c'est fini pour les chiffres du jour. Dans un instant, nous retrouverons la suite de cette rubrique avec les notes du jour. 20 sur 20, 0 sur 20, c'est la note du jour. 20 sur 20, 0 sur 20, c'est la note du jour. Bonjour chers auditeurs, on continue avec nos notes du jour. Pour commencer cette rubrique, je vous propose un 20 sur 20. 20 sur 20 aux pompiers qui ont sauvé une chouette coincée dans la cheminée d'une maison. À Chinon, l'animal a été confié à un vétérinaire. 0 sur 20. 0 sur 20 au prix des hôtels qui augmentent pour les Jeux Olympiques. Encore un 0 sur 20. 0 sur 20. Et si en cette année olympique, tu prenais la bonne résolution de faire plus d'activités physiques, tu aideras ainsi à faire bouger sa statistiques montrant que les 8 enfants sur 10 ne font pas assez de sport. 20 sur 20. La moisson tricolore continue aux mondiaux de biathlon en République tchèque. La France a été sacrée sur le relais féminin le samedi 17 février. C'est une première dans cette épreuve. Encore un 20 sur 20. En février, plusieurs régions du monde se mettent au rythme des carnavals. À Rio, au Brésil, à Venise, en Italie et aussi chez nous. La fête bat son plein. À l'école, vendredi prochain, ce sera carnaval. Et pour finir, encore un 20 sur 20. Rolly Mamani est un fabricant de jouets boliviens. Depuis 6 ans, il met ses compétences au service des amputés les plus démunis de son pays. Il s'est donc servi des imprimantes 3D pour fabriquer des prothèses. Retrouvons maintenant la rubrique Les Incos. Belle journée à tous! Maintenant sur Fréquence Andelle de la chronique Un sport, une œuvre d'art. Et ce sont les CP Axel et Maïline qui vont la présenter. Bonjour à tous. Voici notre classe de... nos indices pour trouver l'œuvre d'art choisie par notre classe de CP. Le sportif a l'une de ses mains posée sur le genou. Il a un bras tendu vers l'arrière. Il est aussi penché vers l'avant. Il tient un disque dans sa main droite. Son regard posé sur le genou. Son corps est musclé, c'est un athlète. Vous avez trouvé? Eh bien, composez le 06 81 72 78 50. Je répète, 06 81 72 78 50. En attendant vos appels, place à trois de nos camarades pour une scénette. Au cas où vous ne trouvez pas, sachez que ce n'est pas une toile. Allez, c'est parti pour rigoler. Place à Thiago, Abel et Olivia. Tu viens, ma chérie, on va faire des courses. Encore ?
Comment encore on n'est pas sorti depuis 3 jours et tu as besoin de chaussures neuves? C'est toujours pareil. On achète des tas de trucs et pour finir, on n'achète rien. Arrête de grogner, mais vite tes bottes et ton manteau. Papa nous attend. Alors, les dames, on se dépêche? On arrive, mon chéri. Alors, ma puce et bottes, tu les trouves? Je n'ai plus qu'une. Comment ça, plus qu'une? Où est l'autre? Dans le jardin. Eh bien, va vite la chercher, ton père s'impatiente. Je ne peux pas l'attraper. Et pourquoi? Pourquoi donc ta botte se sauve quand tu t'approches peut-être? Elle ne s'est pas sauvée, elle s'est envolée. Tu te moques de moi? Mais non maman, c'est vrai, je te jure. Tu m'énerves chérie, la botte de ta fille s'est envolée. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Cesse de plaisanter. Va chercher cette botte et en voiture. Je ne peux pas l'attraper, papa. Explique-moi pourquoi tu as 2 jambes, non? Ça n'a rien à voir. Voilà, le chat a joué avec les affaires de ma poupée et il les a abîmés. Et alors? Alors je lui ai crié dessus et il a grimpé dans l'arbre. Oui, et ta botte dans tout cela? Bah, j'ai lancé ma botte pour faire descendre le chat est bien descendu, mais ma botte est restée percée. Ah, c'est malin, on ne peut pas partir, il nous manque une botte. Bon, mesdames, quand vous aurez résolu ce problème, vous me ferez signe, car je n'ai pas que cela à faire. Je vais bricoler dans l'atelier. Vous vous en sortirez sans moi. Ah, ces filles alors. C'est pas grave, maman. Ce sera pour une prochaine fois. En attendant, je vais lancer des balles pour faire descendre la botte de l'arbre. Et moi, je retourne dans la cuisine.
La réponse à l'ordre, ça, et le basketball, disco ball. Oui, effectivement, nous n'avons pas eu d'appel. Et effectivement, c'était cette statue bien connue, le disco ball. Nous poursuivons maintenant avec l'interview d'une des maîtresses. Nous sommes toujours en direct de Perret-sur-Andelle, sur Radio Fréquence Andelle. Nous allons interviewer Madame Lucas, notre maîtresse de CE2-CM1. Bonjour Madame Lucas. Bonjour. Depuis combien de temps es-tu professeure des écoles ? Ça fait 7 ans maintenant, c'était ma 7e rentrée cette année. Tu es professeure en blason, c'est ça ? Oui, effectivement. En quoi consistent tes missions ? Alors moi, je peux être placée à l'année sur un remplacement comme je suis plus ou moins avec vous sur 2 jours, parfois sur toute une semaine, et parfois je peux avoir des tout petits remplacements d'une journée par-ci, une journée par-là, si c'est pour remplacer des maîtresses ou des maîtres qui sont malades, en congé, maladie, etc. Quelles études as-tu faites avant de devenir professeur des écoles ? J'ai d'abord fait des études d'anglais, une fac d'anglais, et ensuite je me suis dirigée vers sciences de l'éducation pour finir avec un master qu'on appelle master MEF pour devenir maîtresse. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Le rose, j'adore le rose. Si tu étais un dessin animé, ce serait lequel et pourquoi ? Alors, je regarde plus aujourd'hui, mais quand j'étais petite, j'adorais Calimero parce que je le trouvais trop mignon. Et si tu étais un animal ? Ah bah un chat, sans hésiter. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu et pourquoi ? Alors pareil, depuis que je suis petite, mon père me la faisait beaucoup écouter et j'aime beaucoup Petite Marie de Francis Cabrel. Merci Madame... Ah. Merci Madame Lucas pour cette interview. Nous allons maintenant écouter votre chanson préférée. Ne bougez pas, vous êtes toujours sur Fréquence Andelle, à Perret-sur-Andelle. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien qui fait jouer ses... La classe de CP va maintenant vous parler de littérature et plus particulièrement du prix des incorruptibles. J'ai une première question, qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est le premier prix littéraire français consacré à la littérature jeunesse contemporaine. En quoi ça consiste ? Les enfants qui participent, communément appelés les incorruptibles, lisent des livres sélectionnés de leur niveau scolaire et votent pour le titre préféré. Vous avez combien de livres ? 10 avec des formats, des images et des thèmes très différents. L'un parlait d'un concours mondial de cabane, un autre parler de l'acceptation de soi, un autre aborder le problème des animaux sauvages en captivité. J'ai oublié celui sur l'importance des livres qui permettent de voyager tout en restant chez soi, ou encore celui où un animal répète des paroles entendues en les modifiant encore et encore. Et au final, rien ne colle avec la réalité. Il était très drôle celui-là. Comment avez-vous procédé pour leur lecture ? La maîtresse a exposé les livres au tableau comme s'ils étaient dans une vitrine. Elle nous a demandé de choisir celui qui a attiré le plus notre regard. On a écrit son numéro sur l'ardoise. Elle a ramassé les ardoises et on a compté les voix obtenues pour chaque livre. Et ainsi, à chaque fois, en enlevant les livres, lus au fur et à mesure. Et pour le vote de votre livre préféré, on a fait une carte d'identité où on a mis notre empreinte
de l'index, c'était très drôle. Ensuite, on a eu notre carte d'électeur et 6 bulletins. On a choisi notre livre préféré en mettant le bulletin correspondant dans l'urne. Puis, on a procédé au dépouillement, le résultat final pour notre éclair et l'album concours de cabane avec 14 voix pour 20 votants. Cela vous a plu ? Oui, car on a découvert des histoires et organisé des élections en classe comme les grands. D'ailleurs, on a aussi voté 2 autres fois pour choisir le titre et la couverture d'une histoire que l'on a inventée. Oui, c'est vrai, car on a participé aussi au concours d'écriture plume, plumant herbe. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations, les CP, et je vous souhaite une bonne continuation. Place maintenant au traditionnel grand nettoyage de printemps. Aux chansons, bien sûr, manière de CP de vous dire au revoir. Like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love don't expect. All I need is 5 minutes. Au plafond, à la du printemps, à la
All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket that love don't spend. All I need is 5 minutes. Nous retrouvons maintenant l'interview des Jennifer, AESH, qui intervient dans la classe de CE2-CM1 et également à Charleval. Nous sommes toujours en direct en de Péri-sur-Andelle, sur Radio Fréquence Andelle. Nous allons interviewer Jennifer, notre AESH. Bonjour Jennifer. Bonjour. Depuis combien de temps es-tu AESH ? Je suis AESH depuis 5 ans. Que veut dire AESH ? Ça veut dire accompagnant des enfants en situation de handicap. En quoi consistent tes missions ? Elles sont assez diverses. J'aide les enfants qui ont des difficultés dans leur apprentissage, mais aussi ça peut être des difficultés moteurs. Quelle étude as-tu faite avant de devenir AESH ? J'ai fait une licence en histoire. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Le rose. Si tu étais un dessin animé, ce serait lequel et pourquoi ? Bienvenue chez les Lodes. J'aime bien le concept d'une grande famille. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Le chat. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu et pourquoi ? Je serais « C'est quoi la vie ?» de Aldebert, parce que je trouve qu'elle est très poétique. Merci Jennifer pour cette interview. Nous allons maintenant écouter ta chanson préférée. C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion ? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment ? Un baiser invisible. Et la nostalgie ? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance ? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps ? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme ? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance ? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir ? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel ? Un monument au vivant. C'est quoi grandir ? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance ? De la tendresse en pyjama. Mamie, papa, la vie, c'est quoi ? Petite, tu vois. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le remords ? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine ? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel ? C'est de toujours y croire. Et un souvenir ? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire ? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie ? Une épuisette à étoiles. C'est quoi l'indifférence ? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme ? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié ? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière ? N'accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse ? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur ? C'est maintenant ou jamais. Bonjour à tous, chers auditeurs de Fréquence Antenne. Bonjour Thibaut, Louane et Louis. Bonjour Jocelyn. Nous allons maintenant vous faire découvrir ou redécouvrir des actualités qui ont lieu en 22 mars. Alors voici quelques informations que nous vous avons sélectionnées. Nous allons procéder par ordre chronologique. Alors Louane, quelle année es-tu remontée ? Dieu, le roi du ciel. Pour vous bouter hors de France, nous voici au 22 mars 1594. À 7h du matin, le 22 mars 1594, Henri IV entre en armure à Paris. Le gouverneur de la ville lui remet les clés de la ville. Le retour du roi dans la capitale dont il avait dû s'enfuir près de 20 ans plus tôt met un terme à 5 ans de guerre civile et 30 ans de guerre de religion. Le 22 mars 1841, une loi limite en France pour la première fois le travail des enfants employés dans des usines ou ateliers. La loi dit que les enfants
les enfants devront avoir plus de 8 et tant et que de 8 à 12 ans, ils ne pourront pas être employés au travail plus de 8 heures sur 24 divisé par un repos. Ah oui, c'est encore dur quand même. Le 22 mars 1895, à Paris, Louis et Auguste Lumière donnent une première séance de cinéma. Le 22 mars 1904, le Daily Mirror, un quotidien américain, est le premier journal à publier une photo en couleur. Maintenant, nous sommes le 22 mars 1915 et la gare Saint-Lazare et la gare du Nord sont bombardées de nuit par un zeppelin. Le 22 mars 1935, l'Allemagne est le premier pays européen à lancer un programme télévisuel régulier. 6 ans plus tard, en 1941, le plus grand barrage en béton du monde est mis en service. 1272 mètres de long pour 168 de haut. Il s'agit du barrage de Grande Coulée à Washington, aux États-Unis. Passons maintenant au 22 mars 1965, où le concours Eurovision de la chanson est remporté par France Gall avec une chanson de Serge Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son. Et le 22 mars 2001, c'est la naissance de Wikipédia, en version francophone, après le lancement de l'encyclopédie, une version anglophone, le 15 janvier. Le 22 mars 2016, en Belgique, le métro et l'aéroport de Bruxelles sont le théâtre de 3 attentats suicides quasi simultanés revendiqués par Daesh. 32 personnes perdront la vie et 340 seront blessées. Quel mauvais souvenir! Rappelons que le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau depuis 1993. Et que le 22 mars, c'est aussi la journée de l'abolition de l'esclavage à Porto Rico. J'espère que vous avez apprécié d'avoir remonté le temps avec nous. On vous souhaite une bonne journée. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Bonjour à tous, vous attendez avec impatience vos rendez-vous culturels du mois à venir. Alors écoutez le News Andel. À vos agendas, les établissements Félix Tampon, chez vous, c'est en mars et mai 2024, en Lyon-Sandel, l'occasion pour les habitants de voir s'installer des personnages hauts en couleur dans un commerce peu conventionnel. Une épicerie culturelle où rien n'est à vendre et tout est à rêver. Cette bande d'artistes fantasques aura pignon sur rue pour vous offrir du rêve et partager des chansons, du rire, du spectacle et vivant de la folie. Venez laisser vous emporter et faire connaissance avec Félix. C'est du théâtre, du cirque, de la musique, de la danse, du spectacle vivant. Si vous ne les avez pas vus en mars, vous pouvez vous rattraper les mardis 21, mercredi 22 et jeudi 23 mai de 16h30 à 19h. Le dimanche 7 avril 2024 à 16h à la salle des fêtes de Lyons-la-Forêt, si vous ne savez pas comment fonctionner votre cerveau, d'autres sauront le faire fonctionner pour vous. Et si l'on vous proposait de vous révéler ce qui, d'ordinaire, vous êtes caché? Bienvenue dans Cérébro, un faux programme de développement personnel qui va vous permettre de vous découvrir des capacités insoupçonnées, de révéler votre véritable potentiel. En mêlant théâtre et magie, nouvelle Mathieu Villatel vous embarque dans l'aventure Cérébro à travers des expériences ludiques. Et parfois troublantes, ils vous remettent les clés du dépassement de soi, alors jusqu'où serez-vous prêt à aller? Avec humour, Cérébro questionne les rapports de confiance et de manipulation dans un spectacle comme une invitation à éveiller notre vigilance. Pour plus d'infos et révélations, rendez-vous sur le site de la communauté commune. Vous les avez adorés la saison dernière avec leur premier épisode pour un fascisme ludique et sans complexe. Ils reviennent pour leur deuxième épisode, Feu Madame Singer, le samedi 13 avril 2024 à 19h à la salle Calvo à Pont-Saint-Pierre. Pas besoin d'avoir vu le premier épisode pour découvrir ce spectacle grinçant à l'humour. Décapant la série théâtrale, la chaîne Lee retrace l'histoire d'une ville en proie à une grève des éboueurs. Nous suivrons l'équipe municipale et les habitants d'un quartier
tout pris dans la tourmente du chaos générée par les montagnes de déchets. Pour finir, rendez-vous le vendredi 26 avril 2024 à 18h à la salle Charles IX à Charleval pour le diable avec le diable en personne. Le diable est un personnage récurrent des contes traditionnels, toujours prêt à prendre une forme nouvelle. Il fait signer un contrat à ses naïves victimes afin de les entraîner dans sa chute, à moins qu'elles ne se révèlent plus malignes que lui. Dans ce spectacle présenté au casque, le diable en personne se glissera jusque dans vos oreilles. Pour vous faire découvrir en mots et en musique un florilège de ses ruses à travers le folklore du monde entier. Saurez-vous déjouer ces pièges ? Pour les inscriptions, réservations et autres informations, rendez-vous sur le site de la CDC de Lyon-Sandel ou au 02 32 49 61 27 ou contact@cdcla.fr. Voilà pour le News Andel. Vous êtes toujours sur Fréquence Andel et nous retrouvons maintenant les CE2, CM1 dans une rubrique où ils nous parlent du vivre ensemble. Moi, vivre ensemble, c'est partager les choses. Pour moi, vivre ensemble, c'est partager, aimer et jouer. Johan. C'est, pour moi, vivre ensemble, c'est bien car on apprend des choses. On a des amis et les maîtresses sont trop sympas. Pour moi, vivre ensemble, c'est accepter l'autre et partager. Pour moi, vivre ensemble, c'est de bien s'entendre, de s'aimer, de ne pas s'oublier, de ne pas se taper, de se respecter et de s'aider. Sohan. Ok, tant pis. Pour moi, vivre ensemble, c'est l'amour qui vient de notre cœur. Pour moi, vivre ensemble, c'est pour profiter de ses amis et de sa famille, Sacha. Pour moi, vivre ensemble, c'est super car nous ne sommes jamais seuls. C'est avoir plein d'amis et la famille pour nous aider, jouer avec nous et nous aimer. Pour moi, vivre ensemble, c'est partager et aider les autres. Pour moi, vivre ensemble, c'est vivre en harmonie. Harmonie égale s'entraider, se respecter et partager. Shaina. Pour moi, vivre ensemble, c'est enrichissant car si on est seul, c'est très menace. Pour moi, vivre ensemble, c'est drôle et s'amuser en classe. On apprend les maths et de l'anglais par ensemble. Mélina. Pour moi, vivre ensemble, c'est partager, s'aider, bien s'entendre et prendre soin de sa famille. Pour moi, vivre ensemble, c'est se faire des amis et s'amuser à l'école. Zoé. Pour moi, vivre ensemble, c'est de bien s'entendre, s'aimer et vivre en harmonie, car si nous sommes différents, nous pouvons quand même s'aimer. Chloé. Pour moi, vivre ensemble, c'est avoir un père qui joue avec ses enfants, une mère qui est là pour ses enfants. Vivre ensemble, c'est avoir une vie merveilleuse, avoir des copains même si on a des difficultés à dormir. Nous sommes toujours en direct de Paris-sur-Andelle, sur Radio Fréquence Andelle. Nous allons interviewer Madame Lerneau, notre maîtresse de CE2 SEM. Bonjour Madame Lerneau. Bonjour Jonas. Depuis combien de temps es-tu professeur des écoles ? Alors, je suis professeur des écoles depuis 19 ans.
Quelle étude as-tu faite avant de devenir professeur des écoles ? J'ai fait une fac de sport, ça s'appelle STAPS, donc ça s'appelle exactement les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ah oui, quand même. J'ai fait aussi un bac littéraire, donc voilà. C'est très bien. C'est la première année que tu enseignes à l'école de Perrier, mais dans quelle école étais-tu avant ? Avant, j'ai fait une dizaine d'années à l'école du Tronquet, où j'étais directrice pendant ce temps. Et encore avant, j'étais aux écoles de Longchamp et Les Andelys. Quand même. Si tu étais une couleur, laquelle serais-tu ? Si j'étais une couleur, je serais le bleu. J'adore le bleu, j'en mets vraiment beaucoup dans mes vêtements. Si tu étais un dessin animé, ce serait lequel ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Alors, si c'était un dessin animé, je serais l'inspecteur Gadget. Vous connaissez ? Oh, oui, oui, très bien. Alors, moi, j'adore parce que c'est vraiment... Alors, l'inspecteur Gadget, c'est un robot qui doit résoudre, évidemment, des enquêtes, mais il est vraiment très maladroit. Et c'est sa petite nièce Sophie, comme moi, qui résout les enquêtes avec son chien. Donc, tous les deux, son chien et elle, grâce... Alors, intelligence, ils peuvent résoudre les enquêtes et l'inspecteur Gadget peut leur dire merci. Ah bah oui, ça c'est clair. Si tu étais un animal, ce serait lequel ? Ce serait un panda. Vous aimez les pandas ? Ah oui, oui, c'est très mignon. Ouais. Moi j'adore ça. Et tout le monde les aime, c'est pour ça que j'aime les pandas. Si tu étais une chanson, laquelle serais-tu et pourquoi ? Alors, en ce moment, j'aime bien une chanson, ça s'appelle « Feel it still ». Je l'aime beaucoup parce qu'elle est joyeuse et donne très envie de danser. Ok. Par le nom, je dirais que je suis d'accord. Donc ? Merci Madame Lerneau pour cette interview. Nous allons maintenant écouter votre chanson préférée. Vous êtes prêts à danser ? Les CE1, CE2 avec des devinettes sur Paris. Nous avons travaillé sur les monuments et grands lieux touristiques de Paris en vue des Jeux qui doivent s'y dérouler. Nous avons préparé des devinettes. Serez-vous reconnaître les monuments de Paris ? C'est un grand monument construit en 1889 par Gustave Eiffel. La Tour Eiffel. C'est un lieu où on organise des rencontres sportives ou de grands spectacles. Il y a plus de 80 000 places. Stade de France. C'est une grande basilique que l'on peut visiter qui se trouve à Montmartre. Il y a un grand dôme de 83 mètres de haut. Le Sacré-Cœur. Oui, c'est bien ça. C'est un musée en forme de pyramide en verre. On peut le visiter et y C'est un musée trouve des statues et des chefs-d'œuvre, ces tableaux.
C'est un grand jardin public. Il se situe à côté de la tour Eiffel et les touristes l'aperçoivent pour la détente. Les Champs-Élysées. Il est situé sur la place de l'Étoile et offre une vue panoramique de Paris. L'Arc de Triomphe. C'est une tour de 59 étages. Elle arrête des bureaux et offre un point de vue unique sur Paris. Alors, qui a la réponse ? La tour Montparnasse. Très bien. Merci pour vos réponses et d'avoir participé. Comme vous le savez, les JOTT auront lieu en France. C'est exactement dans 133 jours. Et oui, Sacha, la cérémonie d'ouverture aura lieu le 2 août prochain à 20h précise. Sacha, Mélina et Eva et moi-même, Axel, nous allons vous présenter une petite sélection de livres autour des Jeux Olympiques. Pour commencer, nous vous proposons une petite devinette. Quel est le Gaulois préféré des Français ? Oui, Shaina ? Oui ! Et oui, il s'agit bien d'Astérix. Notre premier livre est une BD intitulée « Astérix aux Jeux Olympiques ». Ce livre plaira aux petits comme aux grands. Ensuite, pour les enfants de 4 à 7 ans, nous vous conseillons le livre Médoc Animé, les Jeux Olympiques d'édition Milan. Médoc Animé, c'est quoi un livre animé ? Eh bien, lorsque tu ouvres le livre, les pages se déplient et forment une image en volume. On peut aussi activer une tirette pour allumer la torche olympique ou bien pour faire avancer des nageurs, par exemple. Ah oui, je vois, mon petit frère va adorer. Mais dites-moi, qui a inventé les Jeux Olympiques ? C'est le baron Pierre de Coubertin. Et pourquoi allume-t-on une flamme ? C'est en mémoire de... Et c'est quoi les Jeux Paralympiques ? C'est... Et quel sportif aura lieu le plus de médailles d'or ? Oh là là, stop, stop et stop ! J'ai le livre qu'il te faut. C'est questions-réponses sur les JO de chez Nathan. Avec ça, tu seras servi et moi j'aurai la paix. Passons maintenant à un roman de la collection Chien Pourri. Chien Pourri organise à sa manière des Jeux Olympiques qu'il s'appelle les Jeux Olympiques. Les quoi ? Les Jeux Olympiques, c'est pour Josette et son affreux Jojo de petit frère. C'est très drôle, je vous le conseille. Ah, les Jeux Olympiques, j'ai compris le jeu de mots. Eh ben, c'est pas trop tôt. No one's gonna shed a tear. No need to shout. Just to stand in silence. The world spent time in the early morning's haze. You sit and wait, watching for glasses. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Il va y avoir du sport, nous allons vous parler du ski. En effet, nous sommes partis à Valoir en classe de neige et beaucoup d'élèves ont découvert pour la première fois le ski. Que faut-il avoir comme matériel pour commencer le ski ? Pour bien faire du ski, il faut des skis réglés à ton poids et à ta taille, des chaussures de ski. À partir de la première étoile, il faut des bâtons. Mais aussi un casque. Comment faire du ski pour bien commencer ? On commence par apprendre le chasse-neige. C'est quoi le chasse-neige ? Le chasse-neige sert à freiner et à ralentir pour les débutants, mais aussi à tourner. Jusqu'à quand utilise-t-on le chasse-neige ? On l'utilise jusqu'à la première étoile. Et ensuite ?
À partir de la deuxième étoile, on doit savoir déraper et faire des virages ski parallèles. Où apprend-on à skier ? À l'école de ski. Les plus connus sont l'ECF, l'école de ski française, et l'ESI, l'école de ski internationale. Pendant la classe de neige, nous avons appris à skier avec l'ESI. Quelle médaille les enfants ont-ils ramené ? Les débutants ont obtenu la souris, ce qui correspond à l'ourson. D'autres débutants ont obtenu la médaille cristal internationale, ce qui correspond au flocon. Certains élèves qui avaient déjà skié une fois ont obtenu la médaille cristal de bronze, ce qui correspond à la première étoile. Enfin, ceux qui avaient déjà la première étoile ont obtenu la médaille cristal d'argent, équivalent à la deuxième étoile. Merci pour toutes ces informations. Au revoir. Maintenant, place à Dessine-moi Valoir, la station où nous sommes allés. Nous sommes partis à Valoir du 26 janvier au 3 février 2024. Apprenons à mieux découvrir ce village. Donc, dans quelle montagne se situe Valoir ? Valoir se situe dans les Alpes. Dans quelle région se situe ce village ? Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans quel département se situe Valoir ? Valoir se situe dans le département de la Savoie. Comment s'appellent les habitants de Valoir ? Ils s'appellent les Valoirens-Valoirennes. Combien y a-t-il d'habitants à Valoir ? Ils sont 1080 habitants. Comment s'appelle la rivière qui traverse Valoir ? La rivière s'appelle la Valoirette. Valoir a une station de ski. Combien y a-t-il de kilomètres de piste de ski alpin ? Il y a 160 km de pistes. Combien y a-t-il de pistes ? Il y a 90 pistes. 8 noires, 33 rouges, 32 bleues et 17 vertes. Voilà, chers auditeurs, peut-être que nous vous avons donné envie de partir à la découverte de Valoir. Bonjour à tous, je suis Marine, la maîtresse des CE1 à Perrier-sur-Andelle et j'aimerais aujourd'hui vous présenter une de mes élèves avant de pouvoir écouter les autres dans une autre rubrique. Alors bonjour, comment t'appelles-tu ? Clara. Bonjour Clara, est-ce que tu peux nous raconter quelle est la particularité de ta famille ? Mon père est anglais et ma mère, elle est aussi un peu anglaise parce qu'elle est née au Canada. D'accord, alors ça veut dire que tu parles anglais à la maison ? Oui. Avec papa et maman ? Oui. D'accord. Je crois que du coup, tu as une petite chanson en anglais pour nous, c'est ça ? Oui. Alors vas-y, on t'écoute. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above. The world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bravo, merci beaucoup Clara. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over.
lettre de Stéphane Norbert qui intervient dans toutes les classes de l'école élémentaire. C'est un projet sur toute l'année scolaire et Stéphane va nous aider à réaliser un concert que nous jouerons devant nos familles le vendredi 14 juin. Ce spectacle intitulé « Sport et rythme » en immersion associe la musique et le sport. Il est réalisé en partenariat avec la DRAC. N'en dis pas plus et écoutons notre interview avec Stéphane, complétée ensuite par les CE2 CM1. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Stéphane Norbert et je suis musicien. De quel instrument jouez-vous ? Alors je joue des percussions, de la batterie et des percussions. Quel est votre parcours ? Alors mon parcours, j'ai commencé dans une école de musique, à la campagne, au nord du département de la Seine-Maritime, dans une petite ville qui s'appelle Eu. J'ai continué ensuite mes études au conservatoire. Et donc, je suis allé à Rouen, au conservatoire de Rouen. Et j'ai passé mon prix de percussion en percussion classique. Voilà. Pourquoi avoir choisi la musique ? Waouh, c'est une vaste question. Pourquoi avoir choisi la musique ? Parce que on peut raconter des histoires. Parce que dans la musique, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et la musique... C'est quelque chose qui aide quand on est triste, c'est quelque chose qui aide quand on est joyeux aussi. La musique, elle est tout le temps là, elle marque des temps de joie ou de tristesse, ça dépend. Voilà, pour résumer les choses, c'est ça. Depuis combien d'années pratiquez-vous de la musique ? Eh ben, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans, et j'ai 49 ans. Alors 49 moins 7, ça fait 42. Voilà. Depuis combien de temps intervenez-vous dans les écoles ? Alors ça fait très longtemps. Je crois que ça fait 20 ans au moins que j'interviens dans des écoles. Je le fais pas tout le temps. Parce que je veux toujours amener des choses nouvelles aux enfants. Donc si je le fais tout le temps, bah j'arrive pas à amener de choses nouvelles et ça me rend un petit peu malheureux. Mais voilà, je le fais quand même très régulièrement. Hein. J'aime bien travailler avec des écoles. Qu'aimez-vous lorsque vous intervenez dans les écoles ? Ce que j'aime bien, c'est voir des enfants découvrir mon univers, c'est voir des enfants faire des progrès. Ça me rend très fier, en fait. Et qu'on vive une aventure aussi, parce que c'est une aventure, la musique. Et qu'on vive une aventure ensemble, en commun. Voilà. En dehors de vos interventions dans les écoles, que faites-vous ? Eh bien, je donne beaucoup, beaucoup de concerts pour tous les publics, pour des enfants, pour des adultes, pour des seniors, pour des gens qui sont en situation de handicap. Ça m'est arrivé d'aller donner des concerts en prison. Il y a plein de choses. Alors, des concerts, il y en a du coup dans la journée, il y en a le soir. L'autre partie du temps encore, les concerts, je les construis. Donc, je les produis. C'est du travail aussi. Je travaille mon instrument, beaucoup, mes instruments. Parce qu'en percussion, il y a beaucoup de monde. Et puis je compose aussi. C'est-à-dire que je compose, que je joue. Et ça, c'est du temps. Ça prend du temps aussi. Alors, des fois, je compose pour moi. Et des fois, je compose pour d'autres. Ça arrive. Appartenez-vous à un groupe de musique ? Alors oui, j'appartiens à un groupe de musique qui s'appelle Soloops. Alors c'est un groupe un peu particulier parce que j'ai commencé ce groupe, j'étais tout seul dedans. Mais je travaille avec ce qu'on appelle des boucles, avec un pédalier qui fait des boucles. Ce qui me permet de jouer plusieurs choses en même temps et d'enregistrer ce que je fais. Mais, comment dire ? J'ai invité d'autres amis et d'autres collègues à me rejoindre dans cette aventure. Et on est, quand on est au complet, on est 9. Mais on n'est pas toujours au complet. Ça s'appelle un ensemble à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on peut être... Je peux être tout seul. On peut être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Que faites-vous avant un concert pour ne pas stresser ? Ah ! Eh ben, je fais l'échauffement qu'on n'a pas fait aujourd'hui, justement, en séance. Voilà, je fais ce petit échauffement-là. Ça, c'est tout seul. Donc, j'ai besoin d'un moment, j'ai besoin de 2 minutes seul, où personne ne me parle, où je commence à me concentrer. Et puis, pour ne pas stresser, parce que des fois, on stresse plusieurs heures avant un concert. Et dans ce cas-là, moi, je fais des blagues avec mes amis, avec mes collègues qui sont là. On plaisante beaucoup. Et c'est une manière pour moi
d'évacuer le stress. Voilà. Qu'est-ce que la musique vous a apporté ? Elle m'apporte du bonheur, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens, quand je fais de la musique, quelle que soit la situation, j'oublie tout ce qui se passe à côté. Donc quand j'ai des... Par exemple, si je pars de chez moi un matin et que j'oublie de fermer ma maison, eh ben je viens en répétition. Dès que je joue une note de musique en répétition, j'oublie que j'ai oublié de fermer ma maison. Donc c'est plus un souci. Je me dis plus, oh, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va me cambrioler, tout ça ? Non, j'y pense plus du tout. Alors ça revient après, hein, quand j'arrête de jouer de la musique, évidemment, je retrouve mes soucis, bien sûr. Mais voilà, ça m'apporte ça. Voilà. Un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique ? Surtout, alors, des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique, si c'est un enfant, c'est de travailler à l'école le plus, au maximum, déjà. Sans se dire, oui, mais plus tard, je vais faire de la musique, donc tout va bien se passer. Non, c'est vraiment de profiter à fond de ce qu'on apprend à l'école. Ça, c'est super important. Et ensuite, alors, évidemment, la musique, ça demande... beaucoup de travail aussi à côté. Il faut être très rigoureux dans le travail. Il ne faut pas se laisser aller. On a des fois des jours, on n'a pas forcément envie de jouer de la musique tous les jours. Moi, ça m'arrive. Eh ben non, on doit lutter contre ça et dire ben non, non, non. C'est comme les grands sportifs. Hein. On doit s'entraîner tous les jours. On doit se réveiller à l'heure tous les jours pour s'entraîner. On doit être très, très... Si un jour, il n'y a pas d'entraînement, bah, ça peut se prévoir. Hein. Ça peut s'appeler des vacances. On a le droit aussi de prendre des vacances. Mais il faut faire très attention. Quand on revient, il faut travailler un petit peu plus dans ces cas-là. Voilà. Et puis, il faut aussi, c'est mon dernier conseil, il faut écouter tout ce qui se passe autour de soi, et très attentivement. Et quand je dis tout ce qui se passe, c'est pas seulement toutes les musiques qui peuvent exister et tout ça, c'est tout ce qui existe dans le monde autour de soi. Ça, il faut y être attentif, je crois. Merci Stéphane, et comptons maintenant les CE1 de Madame Alini et leurs percussions. Bonjour Fréquence Andel, bonjour Fréquence Andel, bonjour Fréquence Andel. Bonjour Fréquence Andel. Vous vous sentez bien les amis ? Oui, pourquoi ? Ça ne te rappelle rien ? Ah oui, les séances de musique avec Stéphane Norbert. Avec l'école, nous avons un projet autour de la musique et... Chut, c'est un secret. Est-ce que je peux dire qui est Stéphane Norbert ? Oui, bien sûr ! Stéphane Norbert est un musicien, percussionniste, batteur et compositeur et directeur artistique. Tout seul, lui tout seul ? Oui, oui. Eh bien, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de métiers à la fois. Stéphane nous a fait découvrir un petit objet en bois qui enregistre les sons. On peut répéter en boucle le même enregistrement. C'est vrai, et on peut également modifier la vitesse de lecture du plus lent au plus rapide. Cela s'appelle un looper. L-O-O-P-E-R, looper. Voici un petit extrait qui nous a fait beaucoup rire. Merci de nous avoir écoutés, mais ne quittez pas. Radio Fréquence Andel, c'est à Perrier-sur-Andel. Bonjour Perrier-sur-Andel. Bonjour Perrier-sur-Andel. Bonjour Perrier-sur-Andel. Bonjour Perrier-sur-Andel.
Mais arrête, on est à la radio, tu fais trop de bruit avec ta feuille. Alex ne fait pas de bruit, il joue de la musique. N'importe quoi. Si, c'est vrai, on a fait une séance de musique avec Stéphane. Il nous a appris à nous servir d'une feuille et d'un crayon à papier comme instrument de musique. Je peux essayer avec un crayon ? Oui, vas-y, essaie. Génial, j'adore. Ensuite, il nous a appris où l'on devait chanter un jeu où l'on devait chanter. Nous devons chanter des lettres. Nous allons vous faire écouter un petit extrait du cours. Mais n'oubliez pas, la radio fréquence en d'elle, c'est la radio qui vous donne des ailes. Les CM2 reprennent l'antenne avec l'interview de Monsieur Smag, maire de Perrier. Bonjour Monsieur Smag, nous sommes ravis de vous recevoir ce matin en direct de Fréquence Chandelle. Nous espérons grâce à cette interview apprendre à mieux vous connaître. Quel âge avez-vous ? Alors j'ai 68 ans. Je suis né le 27 septembre 1955, au siècle dernier. Quel est votre parcours professionnel avant cela ? J'ai travaillé dans l'industrie. J'étais cadre technique dans l'industrie. J'ai été responsable qualité. J'ai été responsable d'assistance technique. C'était pas très loin d'ici. C'était à Pont-Saint-Pierre, chez Mutandre Europe. Et maintenant, je suis en retraite. Y a-t-il déjà eu des maires dans votre famille ? Des maires, non, mais j'ai mon père qui a été conseiller municipal à Charleval. Avez-vous toujours habité Perrier-sur-Andelle ? Non, pas toujours. J'habite Perrier-sur-Andelle depuis 42 ans, donc ça fait déjà longtemps. Je viens de Charleval, en fait, et j'étais à l'école primaire à Charleval, donc je n'ai pas connu l'école où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi avez-vous décidé de devenir maire ? Alors, c'est un peu particulier. J'étais conseiller municipal et adjoint depuis plus de 20 ans. Et puis, j'ai été élu maire par le conseil municipal quand l'ancien maire est décédé l'an passé. Donc, j'ai accepté de continuer le programme du maire. Et puis, j'ai été élu par le conseil municipal qui nous avait élus sur un programme. Donc, j'ai voulu servir la commune encore plus directement que je ne faisais les années passées. Quelles sont les missions du maire ? Les missions du maire sont assez nombreuses. La première des actions, c'est d'effectuer, de réaliser ce que le conseil municipal décide. Le conseil municipal débat et vote des actions selon le programme pour lequel il a été élu. C'est au maire de mettre en place les choses pour que les actions puissent se réaliser. À part ça, au quotidien, on s'occupe de la gestion administrative de la commune. Il y a des services, il y a des agents communaux. Dans l'école, il y a aussi des agents communaux qui s'occupent un peu de vous, à la cantine, les espaces verts. On s'occupe du budget. On gère les bâtiments communaux. L'école en fait partie. Donc, quand il y a des travaux, on doit les prendre en charge.
s'occupe des propriétés de la commune. Puis après, il y a des tâches qui sont directement liées à la fonction de maire. On s'occupe de l'état civil. L'état civil, c'est les mariages. On enregistre les naissances, les décès, bien, malheureusement. On organise des élections quand ils doivent avoir lieu. On fait le recensement de la population. Donc, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, là, au mois de février. On s'occupe de ce qu'on appelle la salubrité publique. On s'assure que tout soit propre en général, hein, pour faire simple, hein, qu'il n'y ait pas de problèmes d'assainissement, des choses comme ça, qu'on puisse vivre correctement dans le pays en toute sécurité. Et on s'occupe aussi de la gestion des risques. Les risques, on est dans une vallée où il y a il peut y avoir des inondations, donc on doit gérer ces passages de crise. Après, on s'occupe aussi de la sécurité des gens, des conflits de voisinage. On travaille à l'organisation des fêtes publiques, des fêtes communales. Ça fait partie de notre rôle. Alors, je ne fais pas tout ça tout seul, bien évidemment. Il y a des adjoints, il y a des conseillers municipaux, il y a des agents communaux. Et puis, il y a la population en général qui s'associe à toutes ces tâches. Voilà un peu ce qu'on fait en tant que maire. Comment réglez-vous les problèmes du village ? Ah, les problèmes du village, bah c'est bon, faut surtout les régler. Faut toujours avoir en tête l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on fait pas quelque chose pour le bénéfice de quelqu'un en particulier. Donc, quand il y a un problème, il faut que ce soit l'intérêt général qui soit prioritaire par rapport à ça. Puis, faut aussi faire très attention aux dépenses que l'on fait pour régler les problèmes. Donc, faut régler les problèmes avec le moins de dépenses possible. Comment se financent les travaux des routes ou des écoles, par exemple ? Alors, comme beaucoup de choses, les travaux sont financés. La commune en paie une partie grâce aux impôts qui sont prélevés auprès des gens. Mais l'État, qui prélève aussi des impôts, en redonne une partie aux communes pour réaliser des travaux sur les bâtiments de la commune, par exemple. Donc ce sont des impôts des gens qui sont redistribués pour qu'une commune puisse fonctionner. C'est comme ça qu'on répare les routes, c'est comme ça qu'on fait des travaux sur les bâtiments de la commune, notamment. Quelles sont les difficultés de ce métier de maire ? Alors, une des difficultés, c'est la complexité administrative. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers à réaliser, notamment pour obtenir de l'argent, pour faire les choses. Donc la première des difficultés, c'est la complexité dans les papiers, mais pour obtenir de l'argent, et c'est une des autres complexités aussi, une difficulté, c'est d'avoir les financements pour faire ce que l'on aimerait faire ou que l'on a besoin de faire. Donc ça, c'est un peu ça la difficulté première de gérer ces choses. Ouais. Avez-vous des horaires ? Êtes-vous débordé de travail et pouvez-vous prendre des vacances ? Alors, bon, débordé, non, on n'est jamais débordé, hein, on gère. Alors, le maire, c'est une mission, en quelque sorte, donc on est maire, j'irais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais bien évidemment, on a besoin de se reposer aussi, on a une vie personnelle à côté, donc on passe beaucoup de temps, effectivement, dans des réunions, on a des obligations, pas forcément sur la commune, mais à l'extérieur de la commune. On représente la commune, donc ça prend du temps. Sinon, on passe beaucoup de temps à la mairie aussi, parce qu'on passe à la mairie pour recevoir les gens, les écouter, et puis il faut gérer toutes les affaires au quotidien. Mais je prends quand même des vacances, hein, parmi tout ça. Hein. Donc j'ai une famille, j'ai un fils, une belle-fille, j'ai deux petits-enfants de 8 et 12 ans, donc eux ont besoin aussi que je sois avec eux, donc on s'organise. Mais quand je ne suis pas là, c'est sûrement la question qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe ? On a des adjoints qui peuvent me remplacer pendant mon temps d'absence. Ça ne pose pas de problème. Avez-vous un remplaçant ? Alors les remplaçants, ce sont des adjoints qui sont élus pour certaines activités. Il y a des adjoints qui s'occupent de l'école, il y a des adjoints qui s'occupent des travaux, il y a des adjoints qui s'occupent des cérémonies. Enfin, chacun dans son rôle peut me remplacer, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous occupe le plus ?
Bah, le plus, en fait, c'est le temps de présence en mairie pour tous les sujets quotidiens. J'y suis tous les jours, sauf le dimanche. C'est les réunions de travail. Il y a beaucoup de réunions de travail. Elles sont pas toutes utiles, mais il faut participer. Déjà, on prend avoir de l'information, puis il faut être présent. Donc, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Ouais. Avez-vous un salaire? Qui vous paye? Alors, on ne parle pas vraiment de salaire en ce qui concerne une fonction de maire. Ce sont des indemnités que l'on touche, qui couvrent une partie qui couvrent les frais qu'on peut avoir pour exercer quand je me déplace, quand je dois manger quelque part à l'extérieur. Donc ça couvre ces choses-là. Mais on peut pas vivre hein, avec un salaire de maire, sauf si c'est une très très grande ville, ce qui n'est pas le cas. Hein, donc souvent les maires ont besoin d'avoir un travail à côté ou comme moi d'être retraité. Donc mais c'est pas un salaire. Ça dépend de la taille de la commune. Quelle est votre motivation principale à exercer ces fonctions? Ah. Aimeriez-vous continuer un prochain mandat? Bah, la première des motivations, c'est de servir. C'est d'être utile, de servir les gens. Donc c'est un peu ça qui doit motiver le maire. Hein. Quand je me lève le matin, je suis content de commencer ma journée et d'aller en mairie, voir ce qui s'est passé, là où on peut être utile. Lorsque j'ai arrêté mon travail, j'étais déjà élu, mais j'avais moins de responsabilités dans la commune. Donc, lorsque j'ai arrêté mon travail, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire pour être utile à quelque chose? Parce que je quittais mon travail, donc j'étais déjà adjoint à ce moment-là. Donc, j'ai décidé effectivement de poursuivre dans cette voie-là. Et puis, les circonstances que je vous ai expliquées au début sont arrivées, et c'est comme ça que je suis devenu maire. Après, vous m'avez posé la question, est-ce que je vais me représenter? Ça, je l'ai pas encore, j'ai pas encore réfléchi. Il y a encore deux ans de réflexion, donc ça va dépendre de plein de choses, hein. Peut-être de mon état de santé, de mon envie, si je ne perds pas la motivation, etc. Donc, pour l'instant, trop tôt pour savoir. Est-ce qu'il faut habiter à Perrier pour en être maire? Ah oui, faut habiter Perrier, faut avoir une résidence à Perrier. Il y a d'autres conditions, mais celle-ci est importante. Si on veut être auprès des gens, faut habiter Perrier. Et on n'a pas le droit si on n'a pas de maison à Perrier. Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que le conseil municipal? Comment est-il composé? À quoi sert-il? Alors, le conseil municipal, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de se présenter aux élections. Sur une, on appelle ça une liste, hein, derrière quelqu'un qui avait un projet pour la commune et qui ont été élus par les habitants. Donc, à Perrier-sur-Andelle, il y a un conseil municipal, c'est 19 personnes. Donc, ces gens-là, ce qu'ils font, bah, généralement, ils travaillent pour appliquer le programme pour lequel ils ont été élus. Ils ont proposé aux gens des choses, donc après, il faut le réaliser. Donc c'est le conseil municipal vote aussi le budget qui permet de réaliser les choses. Donc c'est un conseil qui c'est après le conseil municipal a le rôle d'élire le maire et les adjoints pour que tout fonctionne. Pour finir, avez-vous une chanson préférée? Ah oui, donc la chanson qui m'a toujours touché depuis longtemps, c'est une chanson qui s'appelle « Ma France ». C'est Jean Ferrat qui l'a chantée, vous ne connaissez peut-être pas. Mes petits-enfants disent que c'est de la musique de vieux, mais moi j'aime bien. C'est une chanson qui décrit les paysages de la France, les beaux paysages. Il y a cet aspect-là, c'est très poétique. Et puis il y a aussi, c'est une chanson engagée, c'est une chanson politique qui rappelle que des gens ont travaillé pour que la France soit celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est une chanson qui a double sens. Et puis c'est une très belle mélodie. Merci Monsieur Smack d'avoir répondu à nos questions. Écoutons maintenant votre chanson. Merci à vous les enfants. Cette terre de liberté, au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines,
celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. J'ai chaud chez ce cher Serge. La nounou de Ninon ne dit ni oui ni non. Cinq chiens chassent six chats. Une belle boule bien bleue brille. Zazie causait avec sa cousine en cousant. Ce goulu a voulu tout ce qu'il a vu sur le menu. 16 chaises sèches. C'est un plat plein de pâtes plates. Merci les CE1 pour ces virelangues. Pour nous parler du compostage, nous avons décidé d'inviter Naomi du CIGOM à notre émission afin que tout le monde puisse mettre en place un compost chez soi. Écoutez bien car vous allez devoir en installer un chez vous car cela est devenu obligatoire et c'est parti pour les questions. Qu'est-ce que le compostage ? Alors, le compostage est un processus de dégradation naturelle. Il y a des insectes et des micro-organismes qui se développent et qui viennent dégrader les aliments et les matières dans le composteur. Au bout de 8 à 12 mois, on obtient du compost. C'est quelque chose qui est comparable au terreau. Merci. Question suivante.
Pourquoi c'est devenu obligatoire ? Alors, le compostage n'est pas obligatoire, mais la personne qui collecte les déchets, donc nous, le SIGOM, doit apporter une solution aux habitants pour qu'ils puissent trier les déchets qui se dégradent naturellement. Le compostage fait partie de ces solutions. Il est important de trier les déchets qui se dégradent naturellement car les déchets de la poubelle noire sont brûlés. Ce ne serait pas très écologique de brûler des déchets qui sont composés à 80% d'eau, qui se dégradent naturellement et qui pourraient être utilisés en compost par exemple. Que mets-tu dans le compost ou trouver... Alors, dans le composteur, il est possible de mettre les épluchures de fruits et de légumes, les restants de repas, le marc de café, les sachets de thé, les agrumes coupés en petits morceaux, les coquilles d'œufs écrasées, les feuilles d'arbres, les herbes indésirables, les mouchoirs et serviettes en papier blanc, le papier journal, du broyat de bois, etc. Où trouver les petites bêtes pour faire le compost dans la maison si on n'a pas de jardin ? Alors, le matériel pour faire le compostage à la maison ou en appartement s'appelle un lombricomposteur. On peut le trouver sur Internet ou en jardinerie. Concernant les vers de composteur, on peut les trouver sur Internet ou dans des fermes lombricoles. Tu nous as expliqué que le compost ressemble à un être vivant. Il a besoin d'eau, d'air et de nourriture. Peux-tu nous expliquer comment apporter tout ça au compost ? Pour que le composteur puisse boire, il faut lui apporter de l'eau grâce à l'eau contenue dans les aliments que l'on met dans notre composteur, ou soit grâce à la pluie en ouvrant le couvercle ou l'arrosant en période de canicule. Pour lui apporter de l'air, il faut remuer chaque fois que l'on apporte des choses à l'intérieur et une à deux fois par an, il faut le retourner pour que le mélange puisse être homogène et qu'il soit humide partout. Et pour le nourrir, ce sont vos apports de restants de repas et épluchures qui vont nourrir la biodiversité du composteur. Est-ce que c'est payant en compost ? Alors, le SIGOM pense qu'il est important de ne pas donner gratuitement des composteurs aux habitants, sinon ils seront mal utilisés et finiront par ne plus servir. Aujourd'hui, les composteurs que l'on retrouve sur Internet ou dans les jardineries sont payants, mais il est facile d'en fabriquer un soi-même en récupérant quelques matériaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. À vous, maintenant, à la maison. De mettre tout ça en pratique. Merci Naomi, au revoir. Au revoir. Grâce au SIGOM, nous avons réfléchi à comment réduire nos déchets plastiques. Nous avons trouvé pour vous des recettes de produits ménagers que vous pourrez appliquer chez vous. Alors fini pour... Une partie des emballages plastiques, écoutez bien, pour le bien-être de la planète. Bonjour, je vais vous expliquer comment faire un produit pour la vitre. Ingrédients, il vous faut 20 centilitres d'eau et 40 centilitres de vinaigre blanc. Dans un flacon spray, versez 20 centilitres d'eau et 40 centilitres de vinaigre blanc. Mélangez et vaporisez sur vos vitres avant d'essuyer avec un chiffon microfibre ou une raclette. Astuce, si les vitres sont particulièrement sales ou grasses, faites chauffer de l'eau et ajoutez autant de produits de vinaigre dedans. Appliquez le mélange avec une éponge douce, séchez avec des chiffons propres et finissez avec un chiffon microfibre. Grâce à cette recette, vos vitres seront toutes propres. Léonore. Bonjour. Recette spray nettoyant multi-usage. Ce produit tout en un est parfait pour nettoyer, détacher et dégraisser tous les supports. Ingrédients. 75 centilitres d'eau, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de savon noir,
20 centilitres de vinaigre blanc, écorce d'agrumes à renouveler parfumée. Remplissez un flacon spray d'un litre de contenance avec 75 centilitres d'eau. Versez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ajoutez 2 cuillères à soupe de savon noir. Ensuite, 20 centilitres de vinaigre blanc. Mélangez et utilisez. Pour le parfumer, vous pouvez y glisser des écorces d'agrumes que vous renouvelez de temps en temps. Grâce à ce produit, faites briller, faites nettoyer. Bonjour. Recette le détachant. Pour éliminer un bon nombre de taches de vos vêtements et tissus, voici une recette simple et efficace. Ingrédients. 1 litre d'eau, 3 quarts d'un verre de savon noir, 3 quarts d'un verre de bicarbonate de soude, 3 quarts d'un verre de vinaigre blanc à mettre séparément. Dans une bassine, versez 1 litre d'eau. Ajoutez-y 3 quarts d'un verre de savon noir et 3 quarts verre bicarbonate de soude. Plongez vos vêtements tachés dans ce mélange, laissez agir au moins 30 minutes. Ajoutez ensuite 3 quarts d'un verre de vinaigre blanc et laissez cette fois-ci agir à 1 à 2 heures. Rincez et passez en machine. Plus aucune tâche ne résistera. Manon. Bonjour, voici la recette du nettoyant pour sol à fabriquer soi-même. Ingrédients, 700 ml d'eau, 30 ml de vinaigre blanc, 200 ml de savon noir, 50 g de bicarbonate, 10 gouttes d'huile essentielle. Première étape, on verse d'abord l'eau, deuxième étape le vinaigre blanc, troisième étape le savon noir, quatrième étape la bicarbonate, cinquième étape, on mélange le tout et l'huile essentielle n'est pas obligatoire. À vos serpillères, Andrea. Bonjour, pour désinfecter vos surfaces, ce produit simple à réaliser est efficace et sain. Recette le désinfectant. Ingrédients, 1 litre d'eau, 4 cuillères à soupe de savon de Marseille râpé, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Faites bouillir 1 litre d'eau, versez-y 4 cuillères à soupe de savon de Marseille râpé et laissez-le fondre. Retirez du feu et ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de citron. Une fois le mélange refroidi, vous pouvez le verser dans un flacon spray. Avec ce produit, plus aucun microbe ne survivra. Alice. Bonjour, recette lessive. Faire sa lessive est très facile, mais aussi bien plus sain pour la peau, pour l'environnement et pour sa machine à laver. Ingrédients, 3 litres d'eau, 150 g de savon de Marseille râpé ou en paillettes, 2 cuillères à soupe rase de cristaux de soude, 10 gouttes d'huile essentielle par litre. Mettez 1 litre d'eau dans un grand faitout. Versez-y 150 g de savon de Marseille préalablement râpé ou en paillettes. Ajoutez 2 cuillères à soupe rase de cristaux de soude. Portez le tout à ébullition. Une fois le salon de Marseille fondu, ajoutez 2 litres d'eau à porter de nouveau à ébullition. Laissez ensuite refroidir avant d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle si vous le souhaitez, orange, lavande, etc. à raison d'environ 10 gouttes par litre. Versez ensuite dans un bidon avec bouchon. Secouez bien le bidon avant chaque utilisation. Prévoyez une dose de 15 centilitres à 20 centilitres environ pour un cycle de lavage en machine. À vos machines, chers auditeurs. Arthur. We'll be right back.
Bonjour à tous, ici Madame Bann en direct du CDI du Collège Guy de Maupassant pour notre première émission de podcast. Nous espérons que vous prendrez plaisir à nous écouter et que vous ferez partie de nos fidèles auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec des élèves de 6e A qui ont décidé d'enquêter sur l'époque antique. Ils ont remonté le temps pour vous donner des anecdotes croustillantes. Les 6e ont donc joué le rôle de journaliste le temps de quelques heures et nous allons les écouter grâce à notre animatrice du jour que j'ai envoyée au plus près de nos spécialistes. Suzy, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Je vous reçois 5 sur 5. Je suis en direct de l'Olympe. C'est magnifique ! Vous avez autour de vous des spécialistes de l'Olympe, je crois. Bonjour ! Oh oui, pouvez-vous nous les présenter ? Bien sûr, je suis entourée par des spécialistes des créatures. Lise et Luna, nous parlerons de Persée et Méduse. Ensuite, nous avons Lilouen qui parlera des juments de Diomède. Nous avons ici Iris qui évoquera la Chimère. Adam présentera le Minotaure. Puis Lucas nous donnera quelques anecdotes sur le Sphinx. Nous sommes aussi en compagnie des spécialistes des Jeux Olympiques. Adem, Gatien, aujourd'hui remplacé par Raphaël, Eloane, Clément et Noah. Nous sommes aussi entourés par des spécialistes des monuments historiques de la Grèce antique, Victoire, Raphaël et Gabin. Suzy, aujourd'hui vous allez interroger tous ces spécialistes pour permettre aux élèves du collège d'apprendre plein d'anecdotes sur la Grèce. Je vous laisse donc la parole. Merci Madame Bann. Nous allons commencer par l'actualité du moment, les Jeux Olympiques. Vous savez que cette année, ils ont lieu à Paris du 26 juillet au 11 août. Ce sera d'ailleurs l'anniversaire d'Adem. Et si nous remontions le temps pour savoir d'où viennent les Jeux Olympiques ? D'ailleurs, comment sont apparus les Jeux Olympiques ? Selon la légende, les premiers Jeux auraient été inventés par les dieux grecs sur le site d'Olympe, rendu célèbre par Héraclès, fils de Zeus. On raconte que le roi des Lydes, après avoir entendu l'oracle de Delphes, organisa les Jeux pour mettre fin au conflit contre Sparte. Une trêve sacrée fut instaurée. Pas de guerre pendant la durée des Jeux. Quelle est donc la date des premiers Jeux ? 776 avant Jésus-Christ est la date officielle des premiers Jeux antiques. Ils sont devenus peu à peu la plus grande fête de Grèce. Ils se déroulent tous les 4 ans, entre fin juillet et début septembre. Pour participer, il faut être un homme et un citoyen grec, mais nous avons découvert qu'il y avait aussi des Jeux féminins apparemment. Cela fera un très bon sujet d'enquête à venir. Et sinon, est-ce qu'il y a toujours eu des Jeux Olympiques ? Eh bien non, en fait. En 393 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose Ier interdit les Jeux qui jurent néfastes à la religion chrétienne. Il faudrait attendre plus de 1500 ans après la fin des Jeux Antiques pour qu'un Français, le baron Pierre de Coubertin, émette le souhait de restaurer les Jeux, et cela arriva en 1896. Existait-il aussi une cérémonie à l'époque ? Oui, il existait une cérémonie où ils sacrifiaient un sanglier à Zeus et ils devaient jurer sur la tête de l'animal qu'ils étaient grecs. Les vainqueurs portaient une couronne d'olivier. Qui pouvait assister à ces jeux dans le public ? Le public qui pouvait assister aux jeux étaient les hommes. Seules les femmes célibataires, étrangères ou les esclaves pouvaient regarder depuis les gradins. Les femmes mariées étaient interdites dans le public. Quelles étaient les épreuves à l'époque ? Les 3 grandes épreuves pour les Jeux Olympiques de l'époque. La course, le saut en longueur, le lancer de javelot et le lancer de disque. Alors, j'ai une question délicate. J'ai entendu dire que les athlètes étaient nus. Est-ce vrai ? Oui, ils étaient entièrement nus dans toutes les épreuves, sauf dans la course de chars. Les Grecs, par leur corps nu, devaient montrer leur puissance physique et la beauté du peuple grec. Merci beaucoup pour ces informations d'actualité. Nous allons maintenant passer aux lieux cultes de l'époque. Nous savons que les Grecs étaient très croyants. Ils ont donc construit des temples et nous allons évoquer le Parthénon et le sanctuaire de Délos. Victoire et Raphaël, pouvez-vous nous présenter votre monument ? Bonjour, nous sommes sur l'acropole d'Athènes devant le Parthénon. Il est gigantesque ! Il a été construit entre 447 et 432 avant Jésus-Christ. Il fait plus de 13 mètres de hauteur et sur tout le Parthénon, il y a 22 000 tonnes de marbre. C'est énorme! Il y a aussi une très grande statue d'Athéna qui fait 12 mètres de haut et est recouverte de 1048 kilos d'or. Il a 2469 ans. Mais j'ai une question, à quoi sert le Parthénon? Le temple est un type de bâtiment religieux développé en Grèce antique dans le cadre de la religion grecque pour honorer Athéna.
Merci Raphaël et Victoire pour cette intervention. Maintenant, au sanctuaire de Délos. Gabin, à vous. Je suis en direct du sanctuaire de Délos. Il a été construit en l'honneur du dieu Apollon, né sur l'île de Délos au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce sanctuaire fait 4 hectares avec une vingtaine de bâtiments. C'est comme la capitale de l'île. Merci beaucoup pour cette prise de parole, Gabin. Nous allons désormais attaquer la rubrique des créatures. En premier lieu, nous allons parler de Méduse avec Lise. Je suis impatiente de savoir pourquoi Méduse a des serpents dans les cheveux. Méduse a des serpents dans les cheveux car elle s'est vantée d'avoir les plus beaux cheveux qu'Athéna. Méduse est aussi une prêtresse d'Athéna. Elle a été draguée par Poséidon, mais elle le repousse. Celui-ci va la violer dans un temple d'Athéna. Athéna ne peut pas punir le dieu. Alors elle punira Méduse en transformant ses cheveux en serpent. J'ajoute même que toute personne qui la regarde se figera en pierre. Méduse est une gorgone, donc elle devrait être hideuse. Et non, Méduse est la seule des 3 gorgones à ressembler à une humaine, magnifique mais mortelle. Luna, il me semble que cette Méduse a fini la tête coupée, non ? Oui, Méduse a fini la tête coupée à cause de Persée. Pourquoi Persée a coupé la tête de Méduse ? Persée eut une parole très imprudente auprès de Polydectée, le roi d'où il vient d'arriver. Il lui a dit qu'il lui offrirait tout ce qu'il voulait, même la gorgone Méduse. Il est donc allé tuer la gorgone Méduse. Sur son chemin, il est aidé par Hermès, qui lui donne des sandales ailées. Il trouve aussi Athéna, qui lui donna son bouclier pour contrer le regard tuant de Méduse. Merci Luna et Lise pour ces anecdotes sur Méduse et Persée. Intéressons-nous maintenant à la chimère. Iris, que pouvez-vous nous dire sur cette créature? Je peux vous dire que la chimère est un monstre au corps de lion, à la tête de chèvre et à la queue en forme de serpent. La chimère a-t-elle un pouvoir? Oui, elle a la capacité de cracher du feu. C'est incroyable! Comment est-elle réputée? Elle est réputée invincible. On ne peut pas attaquer la chimère de front sans prendre le risque de brûler. A-t-elle un ennemi? Et si oui, qui est-il ou qui est-elle? Oui, elle a un ennemi qui est le héros grec Bellérophon. Il parvient à la tuer avec l'aide de Pégase, son cheval ailé. Merci pour nous avoir présenté cette créature, chère Iris. Attaquons-nous ensuite aux juments de Diomède avec notre spécialiste Lilouen. Bonjour. Combien y a-t-il de juments? Il y en a 4 portant le nom de Podargos, Lampros, Xanthos, Deinos. Que possédaient les juments de Diomède? Les juments de Diomède possédaient un splendide attelage et c'était des juments indomptables. Elles mangeaient quoi, ces juments? Ces animaux qui lançaient des flammes par leurs naseaux se nourrissaient de chair humaine. Grrr. D'après ce que j'ai entendu, Hercule devait capturer les juments dans un de ses travaux. Exact. C'est le 8e travail et l'un des plus durs des 12 travaux. Il devait se rendre en Thrace pour voler les 4 juments carnivores de Diomède. Il arrive à les capturer, mais elles font un tel bruit que Diomède vint à leur rescousse. Il est assommé par la massue d'Hercule et les juments le dévorent. Elles sont repues et Hercule peut les emmener. Merci pour toutes ces informations croustillantes, Lilouen. Passons à Adam, qui est spécialiste de Minotaure. Qui est ce fameux Minotaure? Le Minotaure est une créature mi-homme, mi-taureau, qui est née de l'amour de Pasiphae, avec un taureau. Mais qui est ce Pasiphae? Pasiphae est l'épouse du roi Minos. Pasiphae est tombée amoureuse d'un taureau blanc envoyé par Poséidon. C'est un animal que le roi Minos devait sacrifier, mais il n'y est pas arrivé, tellement il était beau. J'ai entendu dire que ce Minotaure habitait dans un labyrinthe, est-ce vrai? En effet, ce monstre habite bien dans un labyrinthe construit par Dédale, un labyrinthe dont on ne peut sortir. Il y est enfermé car il est dangereux. Savez-vous qu'il est carnivore? Il mange de la chair humaine. Au final, il sera tué par Thésée grâce à Ariane, la fille du roi Minos. Merci Adam pour toute cette présentation merveilleuse. Passons maintenant à Lucas avec sa créature que j'ai intitulée le Sphinx. Le Sphinx est une créature étonnante, avec son visage et buste d'homme, son corps est celui d'un lion ou d'un léopard, et il a des ailes d'un oiseau. Mais personne ne peut en être sûr. Parlez-nous un peu de ce que le Sphinx fait dans sa vie. Le Sphinx effrayait les voyageurs et leur posait une question que personne ne savait résoudre. Il dévorait quiconque n'ayant pas la réponse. Un jour, un personnage appelé Œdipe répondit à la question. Le Sphinx, vaincu, se jeta dans les eaux. Mais quelle est cette énigme? La question si impossible du Sphinx qu'Œdipe a dû résoudre. Quel est l'animal qui a 4 pattes le matin,
2 le midi et 3 le soir. Alors là, je ne vois pas trop. Une idée, mes chers spécialistes ? L'homme ! Et oui, merci à vous. Merci Lucas pour ces petites histoires sur la majestueuse créature qu'est le sphinx. Je vais bientôt rendre l'antenne à Madame Ban. J'ai adoré faire journaliste pour s'en rendre compte avec notre spécialiste. Mais surtout, merci pour ces anecdotes merveilleuses que je vais m'empresser de raconter à tous mes proches. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vais maintenant redonner la parole à Madame Ban. Au revoir et merci à tous. Quelle belle émission! Quel plaisir de découvrir, redécouvrir ces informations sur le monde antique. Merci Suzy pour avoir animé cette rencontre. Merci à nos spécialistes pour leur présence. C'est la fin de notre premier podcast. J'espère pouvoir vous retrouver lors d'une nouvelle émission. C'était Madame Ban en direct du CDI du Collège de Guy de Maupassant à Fleury-sur-Andelle. À bientôt! Bonjour, Calu, et vous souhaitez-vous nous présenter ? Nous allons vous présenter Harry Potter et nous espérons vous donner l'envie de le lire. Harry Potter ? Mais j'ai déjà vu tous les films. Oui, mais dans les films, il n'y a pas tout ce que tu trouves dans les livres. Laisse ton imagination aller et écoute plutôt cette rubrique. Qui est l'auteur de ce livre ? C'est J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Kathleen Rowling. Née au sud-ouest de l'Angleterre, c'est une auteure britannique. Quels sont les personnages principaux de ce roman ? Harry Potter et ses amis Ron Weasley, Hermione Granger et Hagrid. Que raconte l'histoire ? L'histoire raconte la jeunesse de Harry Potter, sorcier orphelin, élevé sans affection par son oncle et sa tante. Le garçon découvre son identité de sorcier, son tragique héritage et sa grande mission. Où se situe l'histoire ? L'histoire se déroule au Royaume-Uni dans les années 1990. L'action se déroule principalement au château de Poudlard, en Écosse, ainsi qu'aux environs de Londres. S'il y a des sorciers, il y a de la magie ? Oui, il y a des objets magiques, comme le chapeau magique pour chaque élève de première année arrivant à Poudlard. Le chapeau choisit la maison à laquelle l'élève appartiendra durant toute sa scolarité. Des maisons ? Oui, il y a 4 maisons ou 4 équipes si tu préfères Gryffondor, Poufsouffle, Serre-d'Aigle et Serpentard. Le miroir du Risette, c'est un miroir magique qui permet de voir les souhaits les plus profonds. Y a-t-il aussi des animaux fantastiques ? Oui, dans le monde d'Harry Potter, il y a un chien 3 têtes, un troll, des licornes, des dragons. Et quelle est la mission d'Harry Potter ? L'intrigue principale met en scène le combat entre Harry et Lord Voldemort, un mage noir ayant autrefois été élevé à Poudlard. N'en dis pas plus, nous vous conseillons de lire le premier tome des aventures de Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Parce qu'il y a plusieurs livres. Oui, il y a au total 7 romans et 8 films à succès. Comment décriras-tu ce roman ? C'est un roman fantastique, plein de suspense et d'aventure. Que pensez-vous du livre ? Il était super bien, j'ai découvert l'univers d'Harry Potter. Merci Mathias et Antonin. Merci Jules, bonne lecture et à bientôt sur Fréquence Andelle. Place maintenant à l'interview de Mme Strémont, présidente d'une nouvelle association, l'APE, l'association de parents d'élèves, associée aux écoles maternelles et élémentaires de Perrier. Bonjour Mme Strémont. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour Ryan, bonjour Lucas. Moi je suis maman de 2 petites filles qui sont à la maternelle, Oriane et Isis. Vous avez créé une association de parents d'élèves ? Pourquoi ? Pour créer du lien entre les écoles, les parents et la mairie, dans le but de défendre les intérêts des parents d'élèves. Comment s'appelle l'association ? La récré pyrésienne. Quelle activité allez-vous ou avez-vous déjà proposé ?
Nous avons déjà proposé un carnaval et nous allons proposer une boum et une kermesse. Et nous avons aussi fait une vente de chocolat. Dans quel but proposez-vous ces activités ? Nous proposons ces activités pour rassembler élèves, parents et le corps enseignant en dehors du cadre scolaire dans notre commune et lever des fonds pour les écoles. Combien de parents sont adhérents à l'association ? Nous avons 40 familles dans l'association. Aimez-vous ce que vous faites ? Oh oui, beaucoup. De quoi auriez-vous besoin ? De beaucoup plus de parents. Merci à vous, chers parents. On vous attend à l'association. Merci. De rien. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous allons vous présenter un pays. À vous de deviner de quel pays il s'agit. En... En effet, Thibaut élève en CM1 est parti pendant 3 semaines. Sur quel continent se situe ce pays ? Ce pays se situe sur le continent asiatique. Par quel océan est bordé ce pays ? Par l'océan Indien. Quel est le nombre d'habitants de ce pays ? Ce pays contient 1 431 millions d'habitants. Quelle langue parle-t-on dans ce pays ? La langue officielle sont l'hindi et l'anglais. Quels animaux peut-on trouver dans ce pays ? Nous pouvons trouver des tigres, des ours, des singes, des chiens, des vaches et plein d'autres. Pourquoi les vaches sont-elles sacrées ? Car elles représentent le signe de non-violence. Quel plat typique de ce pays as-tu goûté ? Beaucoup de poulet avec des épices piquantes et des beignets de fleurs. Quel monument célèbre as-tu visité ? Ram Tek est le Taj Mahal, le plus vieux temple de ce pays. Peux-tu nous en dire plus sur le Taj Mahal ? Le roi de ce pays a fait construire pour sa femme qui est décédée à son 14e enfant. Quelle est la capitale de ce pays ? La capitale de ce pays est Bombay, mais pour prendre toutes les décisions se font à Delhi. Quelles autres villes sont connues ? D'autres villes sont Bombay, Jaipur, Nagpur et Goa. Alors, chers auditeurs, avez-vous deviné de quel pays s'agit-il ? Vous aurez bien sûr reconnu l'Inde. Au revoir, Fréquence Indel. J'espère que grâce à nous, vous avez appris des choses sur l'Inde. Bonjour maîtresse, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Marine. Maîtresse, on aimerait bien de te poser quelques questions. Pas de souci. Depuis quand tu es maîtresse ? Alors, je suis maîtresse depuis 4 ans. Tu n'as pas toujours été dans notre école. Où étais-tu avant ? Alors avant, j'étais directrice dans une autre école, effectivement. C'était à Vernon. Et j'avais une classe de petite section. Que préfères-tu apprendre à tes élèves ?
Alors j'adore apprendre à mes élèves les mathématiques parce que je trouve qu'on peut imaginer plein de manières de vous l'apprendre et plein de manières de manipuler un peu des petits objets pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne. Quelle est ta couleur préférée ? Alors ça c'est dur, je pense que je vais en dire deux parce que j'arrive pas à choisir. Le bleu marine et le blanc. Je pense que vous me voyez souvent habillée en bleu et en blanc, non ? Oui, ouais. Comme là. Comme aujourd'hui, oui, c'est vrai. Si tu étais un animal, ce serait lequel ? Alors, ça peut paraître bizarre, mais je pense que j'aimerais bien être une tortue. ne me demandez pas pourquoi, mais en fait, j'adore les tortues depuis que je suis toute petite. Et pour la petite anecdote, mon doudou, quand j'étais petite, c'était une tortue. Donc voilà. Et je l'ai toujours, ce doudou. Alors, je ne dors pas avec. Il est caché précieusement quelque part pour pas qu'il s'abîme, mais je pense que je serai une tortue. Quel est ton dessin animé préféré ? C'est le dessin animé Vice Versa, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, c'est les émotions. C'est ça, c'est ouais. Les émotions et j'adore les personnages de ce dessin animé. Peut-être qu'on pourra le regarder d'ailleurs avant les vacances si vous êtes sage. Avant, tu avais dit que c'était Bob l'éponge. Oui, j'ai hésité avec Bob l'éponge, mais je me suis dit que peut-être que Bob l'éponge, vous ne saviez pas trop ce que c'était. C'est un si, peu si, vieux. C'était Bob l'éponge carré. Bon, oui, Bob l'éponge carré. Moi, j'aime pas la musique. Bob l'éponge et Vice Versa. J'aime pas la musique. As-tu une chanson préférée ? Alors ça, c'est pareil, c'était très dur de choisir. J'ai hésité entre plein de choses. Mais il y en a une que j'adore, ça s'appelle « Gaffe aux autres ». Et c'est un monsieur qui s'appelle Ben Mazué qui chante ça. C'est une très jolie chanson, je pense qu'on l'écoute maintenant. Oui, on l'écoute. Serait ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Elle raconte quoi cette chanson ? Alors cette chanson, elle parle de plein de choses, de bienveillance, d'amour, d'entraide. Et je la trouve très douce et très agréable à écouter. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça, c'est vrai. Et elle est vraiment très très douce et ça fait du bien le soir quand on rentre sur le trajet en voiture. Une petite musique un peu douce. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Elle vous a plu ? Oui. Oui, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour vos questions. T'habites où d'ailleurs, maîtresse ? Ah, une autre question qui se rajoute à l'improviste. Alors, j'habite à Mont-Saint-Aignan. Ah, tu connais ? Oui, avec maman, on y va à chaque fois. Ah, d'accord. Bah, oui, maîtresse. Tu passes peut-être devant chez moi quand tu y vas, alors. Moi, c'est la ville où je tombe tout le temps en panne en vacances. Eh bien, la prochaine fois, tu m'appelles et je viendrai t'aider à réparer ta voiture. Bon. Elle ressemble à quoi, ta maison ? T'as pas de chance alors ? Alors pour l'instant, je vis pas encore dans une maison, je vis dans un appartement. Okay. Mais je cherche une maison pour essayer de m'installer. Ah oui, j'en connais une à Romy. Une maison ? Oui. Où je peux m'installer ? Ouais, avec une piscine, deux cabanons. Okay, c'est parfait, on y va. Piscine, j'adore. Bah faut bien se baigner l'été. C'est même papa qui a refait la piscine entière. Alors là, par contre, on va être en retard pour la cantine avec toutes vos questions. Ah, bon, c'est pas grave. Bah, merci, ah, on a le temps. Bon, bah, Antoine me dit qu'on a le temps, alors si on a le temps, allez-y, lâchez-vous. Dites-moi. Ok. Bah, merci, maîtresse. Je crois qu'il va être l'heure, effectivement, de rendre l'antenne. T'as quel âge, maîtresse ? Vous allez aller manger, et puis nous, on va conclure. Ça d'accord ? Veut dire quoi ? Merci, les enfants. Merci votre beaucoup. Spontanéité derrière les micros. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que
vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Que nos caresses emmènent l'espoir de sens, que nos ivresses soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps. Et bien voilà, notre émission en direct de Perrier-sur-Andelle s'achève. Ce fut une belle émission avec la participation de tous les élèves de l'école de Perrier. Je remercie tous les élèves, les collègues pour le travail. C'était vraiment très bien. Voilà, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission en direct. Par contre, nous nous retrouverons le vendredi 12 avril en direct de l'école de Pont-Saint-Pierre, et après le 19 avril on ira un petit peu plus loin dans la vallée puisque nous serons à Pitre. Voilà. Ah non, j'ai oublié, il y a l'école de Vendrimard quand même, le vendredi 5 avril avec la participation de l'école de Bourbaudouin. Voilà, donc la prochaine c'est Vendrimard le 5 avril. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt sur Fréquence Andelle.